Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Védère le mec. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Si ça va plutôt pas mal, on est reparti sur The Thinking City. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé dessus. Et pour cause, j'ai fait le jeu de The Last of Us. Donc je l'ai fini en 2 jours, du coup. En fait, il y a deux enquêtes qui se sont effacées dans mes dossiers. Enfin, dans mes dossiers, dans mes enregistrements. C'est-à-dire que je vous les remettrai à la fin du jeu. Mais de toute façon, les enquêtes sont dissociées les unes des autres. Donc là, nous sommes à l'enquête, à marcher avec le diable. Donc pour l'instant, j'ai mis la soluce sur mon portable parce que je ne me rappelle plus où on en était. Et quand j'arriverai au même point que samedi, là, je vire la soluce. Parce que je sais plus où on en était du tout, en fait. Au Seven Oaks. C'était là-bas le bar? À être sorti de la presse, monsieur. Attends. C'est pas là le bar? Ah. Où est passé Drunen? Vous m'aviez pas dit qu'il était ici? Oh, l'enflure. Il se trouvait juste là-bas il y a pas 2 minutes, en train de griffonner quelque chose. Je suppose que sa note vient de s'allonger. Autre chose? Vous êtes du coin. Vous pouvez me rappeler où se trouve le manoir Blackwood? Le manoir? En quoi ça vous regarde? Il est vide depuis le départ des Blackwood. Vous projetez de les voler? Je suis détective privé, monsieur. Je vaux mieux que ça. Bah, le manoir est facile à trouver. En haut d'une falaise à Grimhaven Bay, avec une vue de milliardaire. Alright, à l'est de Grimhaven Bay. Dites-moi plus sur le départ des Blackwood. J'ai l'air d'un prof d'histoire. Tout ce que je sais, c'est que pendant l'inondation, toute la famille a disparu d'un seul coup. En fait, deux familles ont disparu, les Blackwood et ce qu'il restait des marches, plutôt bizarre. Vous pensez qu'ils avaient quelque chose à voir avec l'inondation? Ça se pourrait. Ou alors, ils ont senti le vent tourner avant le reste d'entre nous. Je ne vous retiens pas plus. Trop aimable, l'étranger. Signe. Qu'est-ce qu'il essayait de me dire? Ok, bon, alors maintenant on va aller là-bas où c'est qu'il me disait d'aller. Attends.
Putain. Son pauvre type n'est pas allé bien loin.
Génial. D'autres invocations. La serrure semble de qualité. Cette porte ne bougera pas. Ah non, non, non. Putain là.
La haute mer. Je l'ai aimée aussi, avant. Génial. D'autres invocations. La porte refuse de bouger. Oh putain. Putain, désolé d'avoir crié, mais à chaque fois, moi, je pense à mes voisins. Putain. C'est quelle heure il est là? Il est 4h moins 20 du matin. Hey, il m'a fait flipper le bâtard. Oh. Putain de merde. T'en vois rien. Attends, sur l'autel, vous trouverez une pierre. Non,
Non, pas encore. Qu'a-t-il fait ? Évidemment, les Blackwood ont un lieu pour mener des rituels. Bien équipés en plus. Putain ! Ils ont même des trucs vaudou et tout, là. Linda Brennan, échec, l'extraction de la graine du rêveur a réussi, mais mes sceaux n'ont pu la contenir. Je dois persévérer, personne ne mérite de porter ce fardeau. Candidat numéro 9, Judy Ennis. J'ai réussi à la libérer de la malédiction, mais pas à la contrôler, il doit me manquer un élément. Candidat numéro 10, Garland Smith. Encore un échec, lors de ce profondeur. L'ordre de ceux des profondeurs ne suffit pas. Il me faut un autre catalyseur nettement plus puissant. Ah, c'est l'alchimie, là. Ariel Dow. Je suis arrivé trop tard, mais ce n'est pas la dernière élue. Il y en a un. Ah oui, mais c'est moi, l'autre. Je compte faire quoi, madame? L'œil de Dagon. J'ai déjà vu ça auparavant. Bah, il est sur la porte d'entrée, mon con. Oh putain. Il y a une tombe fraîche là. Celle-ci semble plus récente. Oh, satané babiole. J'ai besoin d'un catalyseur plus puissant. Quelque chose affecté par Ctigonar. Tant de tentatives, si peu d'élus restants. Je dois continuer à chercher. Ici, Gordon. Le remède à votre mal vous attend. Voyons voir ce qu'on a ici. Est-ce qu'il y en a là-haut ? Non, bah, il y en a que là, j'ai l'impression. Par ici, Gordon. Oh, satané babiole. J'ai tant de tentatives, si peu d'élus restants. Je dois continuer à chercher. Ebernote a tenté un rituel sur quelqu'un, mais l'homme n'y a pas survécu. Il l'a enterré et a décidé de trouver ce qu'il appelle un catalyseur plus puissant. Là, faut suivre le corbac. Bon, bah déjà, moi, j'ai tué toutes les bestioles de la maison. Faut suivre les corbeaux. Celui-là, il va à gauche. Les vautours gagnent en audace. Ils sont venus m'attaquer dans ma propre maison. J'ai de solides défenses en place. Ils ont l'avantage du monde, ils ne sont pas vaincus.
Ce n'est pas le genre du roi jeune. Je sais que vous me cherchez, monsieur Reed. La vérité à votre sujet m'a été révélée dès que je vous ai vu. Mais les hommes du roi jaune ont confirmé ce soupçon. Je ne peux vous en dire trop dans le cas où ce journal tombe en de mauvaises mains. Cela dit, j'ai bon espoir qu'un détective de votre calibre saura comment procéder. Je vais maintenant m'arrêter de rejoindre mon lieu de pèlerinage avec le sceau de Tigonard. Refuse de bouger. Oula. C'est moi ou elle me regarde? Cher Lania, j'examinais avec attention l'objet de votre demande. Hélas, je crains que vous ayez été quelque peu hâtif dans vos conclusions. Bernard est un jeune homme intelligent, certes, et doté d'un talent remarquable pour les sciences occultes, mais rien ne semble indiquer qu'il fasse partie des élus. Il ne porte pas en lui la graine du rêveur. Ne soyez pas trop dur envers lui, il a passé sa vie entière à se préparer pour ce destin, et il aura besoin de votre soutien lorsqu'il apprendra la banalité de sa condition. Je vous conseille de l'envoyer auprès de l'ordre. Je vois en lui un prédicateur prometteur. Cordialement, Portia March. Être une coquille vide. Nous savions que ce jour viendrait, maintenant que la fin du cycle s'approche, nous ne pouvons plus retarder l'échéance. Réunissons-nous à la conserverie familiale pour nous enfuir de la ville. Éviter d'attirer l'attention des autorités, surtout ne laisser aucun étranger vous suivre. Célébrons nos derniers jours en cette ville maudite et partons dans la mer. Laissez tous vos biens derrière vous. Une fois que nous aurons rejoint nos maîtres dans les profondeurs, nous serons tous là où nous avons toujours rêvé. Les rituels des Bernottes sont mortels. Quelles soient ses intentions, aucun des élus ne s'étant soumis au rituel n'a survécu. Moi, je pense qu'il est dangereux, hein. Et Bernard Blackwood s'est enfui, mais je pense savoir où il est allé. Par le passé, il a fait plusieurs pèlerinages sur le lieu d'exil de sa famille, la conserverie Blackwood. On raconte qu'elle existe depuis l'arrivée de la famille à Oakmont. De plus, elle doit se trouver à proximité de l'eau, dans un des quartiers du port.
trouver la conserverie. Eh ben, on va aller chercher à l'hôtel de ville. Hein, puisque ça doit être dans la mairie, ça, qu'il doit y avoir ce genre d'informations. Donc, l'hôtel de ville, tu penses que ça sera où ça? Appartement de Chronicles. Bibliothèque. Hôtel de ville. Donc, ça, c'est dans Advent. Ok les amis, bon ben on va aller voir à la mairie chercher ça. Puis après je pense que ce sera la fin de l'épisode, on a déjà fait pas mal. On a avancé. On a fouillé le manoir de Blackwood, on sait où aller le chercher. Il faut trouver juste l'emplacement de la conserverie Blackwood. Arrêtez de me déranger, étranger. Sans déconner, ferme ta gueule, dis donc pour qui tu te prends. Donc, alors, la conserverie des Blackwood. En 1873, Iona Blackwood. Elle est toujours en vie, puisqu'elle a reçu une lettre de... Bref. Croisement de Nantucket Street et Tixie Callahan Street. Ok, conserverie. Bah, on a trouvé la conserverie. Moi, si vous voulez qu'il y ait l'épisode, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez à vos collègues, comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde.